And we'll crush her! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler un petit peu de ce nouveau DLC. Alors j'ai eu un peu de retard parce que bah, j'étais en week-end, puis il y a eu d'autres choses qui sont tombées. Donc je, je, je sors cette vidéo un petit peu en retard, mais euh, ce trailer euh, m'a séduit. C'est pas forcément mon trailer préféré, euh, je l'ai dit, mais un jour <laughs> je ferai des vidéos là-dessus. Euh, mais en l'occurrence, euh, ce trailer, je le trouve, euh, je trouve excellent. Même si c'est pas l'un des meilleurs, je trouve qu'il est vraiment bien. Enfin, en tout cas, moi, il me parle. Alors, c'est clairement, clairement, Homans of Destruction, donc le, le, le patch des philosophes, hein, le patch des, des grosses brutas. Mais il y a quelque chose dedans. Il y a une forme de il y a une forme d'intelligence sauvage là-dedans. Non mais en vrai, ce qui est assez intéressant, c'est que du coup, c'est bon, ça y est, c'est acté. Le DLC de Korn, il nous en avait déjà parlé, etc. Nous avons... Euh, il nous avait déjà tout donné euh, comme seigneur légendaire. Mais intéressant de nous montrer justement euh, Karl Franz et l'Empire. Ça me rappelle beaucoup Arthas dans Heroes of the Storm. Euh, Arthas dans HOTS, -E c'est vraiment le, le souffre-douleur de tous les héros lors des présentations, etc. Là, c'est Karl Franz euh, dans un baroud d'honneur qui tient la ligne... Qui tient la ligne, on va mettre un petit peu moins fort. Qui tient la ligne, on se demande un peu qui sont les ennemis au départ. Puis on voit les grosses épées enflammées. Donc on comprend que ces cornes, c'est vraiment le dernier carré, hein, ou le dernier cercle ici, <laughs> de notre euh, cher empereur de l'empire. C'est moi ou il a un bouclier d'ailleurs il, il a un bouclier là il, il a un. Attendez, c'est moi qui, qui hallucine ou. Il a un bouclier Carlito là C'est quoi ça Il a un bouclier Carlito C'est étonnant je, je sais pas C'est peut-être juste pour la cinématique mais... Euh... C'est marrant parce qu'il est pas censé avoir de bouclier Carlito. Enfin bon, dans tous les cas, euh, Karl Franz qui est pas bien, on voit le preneur de crâne qui est la grande euh, figure de proue de ce DLC évidemment dédié à Korn. Et donc nous avons le preneur de crâne qui est le euh, enfin, Uzul le euh, sanguinaire, ou la sanguinaire, on j'aime bien dire là, mais c'est plutôt le euh, sanguinaire exalté euh, de, de Korn, donc le démon mineur mais le démon principal de corne et ça c'est le seigneur légendaire on en avait déjà pas mal parlé en, en prévision de, de la sortie du DLC ce personnage évidemment alors il y a un truc qui est intéressant on va le voir après mais ce qui est intéressant avec lui c'est qu'il est, qu il est euh... ça il a un bouclier hein, carlito il a bien bouclé. Donc euh, évidemment le preneur de crâne qui... qui est juste une sanguinaire au final avec une cape. <laughs> il a pas énormément de personnalité, mais bon au moins il est classe. Au moins il est classe. On a évidemment ça y est enfin j'en ai pas mal parlé de lui. Hein, Golkfag, Maniteur, le logre le, le plus connu en fait hein, tout simplement qui a traversé les périodes, qui a traversé les époques euh, dans euh, Warhammer Fantasy et euh, il est tout simplement le grand mercenaire. Moi personnellement je m'attendais même à ce que euh, Karl Franz le recrute. Face aux deux autres et que s'il fasse un 2v2, mais, euh, mais en fait, pas du tout. C'est juste qui sera le premier à lui casser la gueule euh, parce que c'est un peu réducteur pour le Goldfag, Je trouve après les ogres de toute façon sont très souvent euh, traités de manière un peu euh, un peu risible, j'allais dire, parce que souvent c'est ah bah les gros méchants, enfin, c'est des gros monstres qui bouffent tout. Euh, les ogres, il y a vachement moyen de commercer avec eux, de communiquer, et celui-là, c'est quand même celui qui a euh, fait, ce, enfin, qui a montré que justement euh, le mercenariat était une manière, euh, une manière euh, comment dire efficace et pertinente pour pouvoir euh, trouver de la nourriture, pour pouvoir euh, vivre, etc., bien vivre d'ailleurs. Et il s'est fait sa réputation comme ça, c'est un mercenaire, donc c'est bon. Et là, bien sûr, il est, il est là, il est là. Bon, euh, probablement l'un de mes seigneurs de Warhammer préféré, Gorbad Griffet de Fer ou, ou Gorbad Ironclaw tout simplement mon orque préféré, mon pot vert préféré tout court d'ailleurs. Il est là et qu'est-ce qu'il est beau Il est beau alors C'est intéressant parce que là on le voit. Alors ça va être très sympa pour le moment. On ne connaît pas encore son starter. Moi, mon col c'est les terres arides. Euh, vu qu'Orzac bouge euh, au sud, je pense qu'il sera aux terres arides et notamment sa capitale historique à Gorbad, c'est le pic de fer. Donc euh, j'aimerais bien enfin le roc, le rocher de fer, pardon, le roc de fer. Donc j'aimerais bien, euh, j'aimerais bien le voir là-bas. Mais c'est pas une capitale de province à ce moment-là. Donc il faudrait un changement ou alors ils le mettent au Black Crag, ils le mettent au... au rocher noir. Je ne sais pas trop. On va voir, euh, on va voir là-dessus. En tout cas, on le fait attaquer à Verheim. Donc certains pensent qu'il il commencera dans le l'empire euh, je ne pense pas c'est juste que si vous connaissez un petit peu l'histoire de gorbad gorbad griffe de fer il a ravagé euh, le sud de l'empire il a notamment anéanti l'un c'est le seul euh, c'est la seule personne qui a réussi à anéantir de la carte un comté électeur enfin un comté donc un élect et en tuant un compte électeur et récupérer son, son épée. Donc, euh, Gorbat, c'est du très très solide. Euh, il a été arrêté au dernier moment à Aldorf, euh, après qu'il ait mis à sac euh, la moitié de l'Empire. Et euh, d'ailleurs, on nous montre le Mout, c'est pas pour rien, parce qu'il <laughs> s'est aussi occupé un peu du Mout. Bah, enfin, techniquement, il, entraîné, il a entraîné. Comme il sait que ces orques étaient nuls pour le siège, et bah ils ben ils sont entraînés sur le mout. Voilà. Et du coup, c'est ça aussi qui me fait que j'adore ce personnage, c'est que c'est un gros orque bien bourrin. C'est pas un orque noir, c'est pas un mec qui casse qu sniffé casse euh, un truc euh, ou qui a bouffé un truc euh, pas frais. Euh, parce que j'adore Azag, hein. j'adore Azag le Massacreur, Mais Azag, il a mis une couronne de Nagash, ça l'a rendu plus intelligent. Euh, euh, Grimgor, bon bah lui c'est carrément un orque noir, donc c'est le plus mieux, plus orque, plus primaris des orques. Et euh, on a euh, Grom la qui est un go mais qui a bouffé un truc troll donc bon il est la force d'un orc etc. Là non 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 pas du tout c'est juste un orc en fait euh, c'est juste un orc et il est très bien mais il est également très 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 intelligent euh, et c'est l'orc le plus intelligent parce que Azag lui c'est grâce à sa couronne etc. Lui c'est vraiment juste bah il est malin en fait c'est juste Quelqu'un d'intelligence, d'un orc intelligent. Orque intelligent. Et, euh, et du coup, je suis super content de le voir. Parce que déjà, bon, il est très très beau. Euh, J'ai hâte de le voir. Euh, de voir son arbre de talent. Et on va pas se mentir, c'est tout simplement... Bon, si vous n'avez toujours pas compris, c'est euh, le seigneur orc que j'attends. Enfin, euh, c'est tout simplement le seigneur que je veux jouer en premier. Alors je pourrais pas, et j'en profite dès maintenant pour vous le dire, puisque euh, les. Euh, il y aura un, Il y aura donc euh, des sessions de test. Euh, J'aurai accès comme je suis un, un partenaire euh, Creative Assembly. Je vais pouvoir... Y jouer en avance en stream, donc vous pourrez voir tout ça ensemble. Gorbad étant dans le DLC, je peux pas commencer par, dé, par lui, mais je commencerai par Arbal l'invincible qui est celui le seul qui n'est pas montré dans ce trailer. Et Arbal l'invincible, je suis ultra hypé en plus, donc ça aurait été le deuxième, mais ce sera le premier. Et ensuite, dès que je mets la main, dès que je pourrai streamer des, des personnages, euh, les personnages du DLC payant, c'est clairement Gorbad qui me hype le plus. Et là, on a le plan que je préfère de toute cette cinématique, puisque nous avons donc une présentation des nouvelles unités, à savoir, euh, j'ai l'impression. Je sais, parce que ces orques-là, on les a jamais vus. Hein. Ces orques-là, on les a jamais vus. Alors, je ne pense pas que ce soit des orques noirs. Ce qu'ils ont annoncé, du coup, les orques noirs épais, boucliers, etc. J'ai vraiment pas l'impression que ça en est. Euh, on dirait des, des on dirait des des hard boys, on dirait des, des costauds. On dirait des costauds, mais je suis euh, je suis pas sûr parce qu'en en fait, ils sont quand même vachement armurés. J'avoue que je connais, je je vois, j'arrive pas à capter. Ils m'ont ils m'ont perdu. Ça, ça fait un mix entre costaud et orque noir, euh, c'est étonnant, mais ils sont pas du tout l'armure des costauds, enfin peut-être s'il a un peu, mais euh, ils ont un casque un peu unique et tout, Je, ça ne me dit rien du tout, pour moi c'est pas de l'orque lambda ça, euh, puis de toute façon ils ont une arme dans chaque main, donc ça fait vachement costaud, est-ce que les costauds auraient eu un ruskin Ou alors c'est une unité de costaud de renom c'est peut-être une unité de costaud de renom éventuellement. Euh, nous avons du coup des orques sauvages à l'arrière, mais euh, je pense pas que ce soit une nouvelle unité, puisque c'est vraiment les seigneurs et héros qui manquent. Euh, généralement, ils aiment bien sur ces trailers montrer les nouveaux, euh, les nouveaux héros. On a du coup, alors j'ai oublié son nom, c'est terrible. C'est Gitilla le, 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 le chasseur qui m'empêche de, de m'en rappeler. Mais euh, du coup, euh, le, le chef, le héros légendaire gobelin des forêts qu'on avait... Euh... Donc malheureusement pas de seigneur gobelin des forêts, mais euh, il arrive sur sa petite araignée, euh, son araignée géante. Alors est-ce que du coup c'est la nouvelle unité de cavalerie gobelin des forêts Justement, les, les gobelins sur, euh, sur araignée géante intermédiaire. Ça va être intéressant de voir ça. Ou alors c'est tout simplement l'unité de renom, et c'est pour ça qu'ils le mettent avec lui, puisqu'il est censé les diriger. Alors l'arachnorok bleu, par contre, ça ne me dit rien. Ça ne me dit rien du tout. Euh... Je me pose la question, est-ce que c'est pas... Euh... C'est pas un truc spécifique parce que là on voit ah c'est le si c'est l'arachnoroc lanceur de toile c'est euh, la, la, une variante d'arachnoroc c'est l'arachnoroc lanceur de toile c'est un truc qui arrivait à la toute fin de Warhammer Fantasy je crois qu'on peut plus au début d'Age of Sigmar on pouvait les jouer je crois qu'on peut plus les jouer maintenant elles sont, elles, sont plus... elles ont été retirées des ventes pour le moment du coup je crois que c'est le lanceur de toile celle-là donc en bleu ok c'est intéressant et voilà, voilà, le plan que j'adore Alors déjà il est beau, hein. il est beau Alors j'espère que ces couleurs de faction seront bien le rouge et le jaune Ce serait méga stylé parce que c'est vraiment lui ils ont, ils ont mais vraiment gardé le modèle de Gorbad Il est magnifique, vraiment magnifique euh, Et c'est le, le moment que j'adore, pourquoi Parce que, ah mais attendez, c'est moi où on voit justement Eh oui, c'est un cro là est-ce que c'est le Cro-Runic justement du Soland qu'ils euh, qu auraient mis dans le dos Après ça peut être juste une épéranda, mais bon on a l'épée avec la marque de Sigmar et tout. C'est marrant. Mais euh, du coup, Gorbad qui mène ses troupes et qui réfléchit, et voir un orc réfléchir, bah ça fait... Et en plus voilà, euh, <laughs> stick to the plan, donc euh, tenez-vous en plan. J'adore voir enfin, un orc faire... C'est tellement badass Parce que les orcs sont tellement habitués à être des cons que quand ils font ça, c'est... Enfin, je sais pas, moi je le trouve incroyable. Et justement, Gorbat, sa grande spécialité, euh, c'était d'être intelligent. Et en dehors de ça, bah, la plupart des seigneurs orcs, euh, globalement, savaient pas trop comment utiliser les gobelins. Enfin, c'était juste euh, aller première ligne, en avant, let's go. Euh, Gorbat, sa grande spécialité, ça a été notamment l'utilisation de la cavalerie, avec vraiment le, le, le coup de la... Du marteau et de l'enclume avec euh, des, des costauds sur sanglier d'un côté et les chaucheurs de loups et chaucheurs d'araignées, enfin tout ce qui est chaucheurs de gobelins euh, qui normalement servent un peu à rien pour un commandant orc basique et lui il les a utilisés de fond euh, pour euh, mettre des frappes en profondeur, des frappes de, de, de flanc et, et pour en fait euh, vraiment user l'adversaire afin de le. Enfin, de le fracasser de tous les côtés, quoi. Parce que déjà, la première ligne orque est généralement vraiment violente. Mais en plus, si elle est écrasée entre le marteau et l'enclume, bah, c'est comme ça qu'il a gagné beaucoup de ses batailles. Sans compter, bien sûr, ses... euh, sa capacité à écraser au corps à corps euh, à ses ennemis. Du coup, là, on le voit directement. Regardez, en mode prend le flanc. Alors, non, c'est des... des costauds, hein. Ça, ça c'est un costaud, ça. Ça, c'est un costaud. C'est des costauds, ça. Du coup, c'est quoi, ça C'est des costauds aussi Là, on dirait des orques noirs, par contre. Ça, c'est des orques noirs, ça. Mais euh, ça, c'est une nouvelle euh, variante. Ou alors, ce serait une nouvelle variante d'orques en mode euh, orque basique avec. Euh... Parce qu'ils ont sorti les orques avec lance. Ils ont sorti les orques avec lance. Ils ont sorti les. Peut-être que ce serait les orques avec euh, tout simplement euh, une arme dans chaque main ce serait peut-être juste ça en fait. Hein ce serait peut-être juste ça. On voit les, les, les chevaliers de l'Empire. Et là, donc ça, c'est une unité exceptionnelle qu'on attend. Euh... Alors, moi, je, je, vous en, je vous en avais parlé. Parce qu'il y a toutes sortes. Euh... C'est assez rigolo parce que, en fait, le personnage qui va le plus récupérer sur ce DLC côté peau verte. Ah, oh, purée, purée, s'il si si ressemble à ça. Ah, merde, vous voyez pas, je suis devant. S'ils si, ressemblent à ça les, les costauds de, de Gorbad, oh ils vont être incroyables. Hein, ils vont être incroyables. Mais bon, dans tous les cas. Ouais, ça a l'air d'être une unité d'orque avec, avec, avec armes dans chaque main en fait, mais euh, ouais, ça a l'air d'être un, un très beau rouge. Du coup, ça, ils vont être beaux, hein. ils vont être beaux. L'armée va être très belle. Mais euh, un truc qui est intéressant, c'est que du coup, le, le, le seigneur qui bénéficie le plus de ce patch, ça me rappelle beaucoup Morati euh, avec les elfes noirs à l'époque de Total Warhammer 2, c'est-à-dire que tous les DLC elfes noirs, elle avait des troupes, elle avait ses troupes qui arrivaient, et donc elle était en mode comme ça. En mode... Ou alors, hein, beaucoup en rigole, les, les hommes bêtes quand aucun DLC sur Total Warhammer 3, mais pourtant, à chaque fois, à chaque patch Là, je récupère ça, je récupère ça, je récupère ça. <laughs> et, euh, et pour le coup, euh, ou bel accord évidemment. Mais pour le coup, ce qui est intéressant, c'est que là, c'est les peau pauvres et c'est rare. Et c'est Skarsnik Skarsnik qui récupère tout ce qu'il a, genre tout le gobelin. Et en plus des, des, parce que ce sont des unités goblins de la nuit là en dehors des, des en dehors des, des gobelins des forêts qu'on a vu tout à l'heure avec les araignées là vous allez avoir le squeak géant là c'est les mandler euh, squeak je sais plus comment ça, ça, ça se traduit en français mais en gros c'est les deux squeak géants avec une chaîne au milieu et et ils ravagent tout donc vous allez avoir Squig géant qu'on voit après le Mandelor Squig et tout enfin genre euh, genre Skarsnik, il qui se met bien hein. il est en mode <laughs> il, il va il va se mettre bien sans, sans compter le chef euh, gobelin de la nuit il va se mettre bien il va se mettre bien Skarsnik. Hein. ça va être un DLC très intéressant surtout qu'il devrait avoir tous des euh... Des petits reworks, euh, Scar peut-être pas autant que les autres, puisqu'il a eu pas mal d'amour entre le 2 et le 3, mais euh, avec son changement de départ, son objectif pour aller chercher Karako Hippic, qui est passé dans le 3, qui est passé d'une ville à 4 ans, à 8 emplacements, finalement à 10, etc. Il a, il a pris des petits ups quand même euh, par-ci par-là, mais, mais en vrai, euh, bah, ça va faire du bien, hein, puisqu'il a quand même pas mal de trucs pour réduire l'entretien et la puissance des Squeaks, donc. Euh il, il se met très très bien, mais bon, Gorbad aussi évidemment. Ça, ça me rappelle énormément en fait euh, le, le, le DLC d'avant, Strong of Decay, avec Malakai et Mike Aysen, qui arrive avec toute, toute, la, toute la ribambelle d'unité de tueurs. Et euh... <laughs> t'as une Grim qui est là. Écoutez, <laughs> moi je prends. <laughs> Après, il faut avoir le DLC bien sûr, mais, mais je trouve que c'est rigolo, c'est marrant. Bon ils ont l'air, alors bon c'est un trailer donc faut toujours, on testera en stream tout ça, tout ça, mais c'est clair que euh, ça a l'air impressionnant, ils ont l'air vraiment très 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 impressionnant, comme ça, les animations ont l'air dingues, les animations ont l'air hein. vraiment dingues, et là on voit la manœuvre de flanc justement, la tactique irréprochable avec le contournement par la forêt. Et instantanément, et bien il gagne Il gagne avec son intelligence. Et c'est assez rigolo, parce qu'on parle du DLC des, des, des bourrins et des philosophes. Être, euh, au, en finale, euh, Gorbad et euh, Golgfag, c'est les deux qui sont un peu... Enfin, on a le mec le plus intelligent des orques. Je dirais pas que Golgfag est le plus intelligent des ogres. Normalement, c'est Grissus, ça, plutôt. Mais euh, il, est, il est très intelligent, Golgfag. Hein. C'est pour ça que je trouve que c'est un peu dommage euh... non, On va en parler après. Donc, le Skulltaker Taker qui va du coup commencer en Lustrie, c'est confirmé, hein. c'est pas, euh, pas juste là. D'ailleurs, oh, j'en profite, mais il commencera pas ici, mais beaucoup plus à l'ouest, qui montre que Gorbad va être pas loin de l'Empire, c'est normal, c'est son histoire. Mais euh, je... on a la confirmation aujourd'hui avec mon retard, je peux vous le dire. Donc il est au nord de la Lustrie, le petit. Euh, au... On va dire centre-nord de la Lustrie, le petit Ouzoul, et il commence normalement d'ailleurs contre euh, du Zinj et il pourra peut-être s'allier avec euh, l'autre euh, armée de scar, enfin l'autre armée de l'autre armée de cornes qui est un peu en dessous, même si généralement elle, elle passe pas le troisième tour, donc il euh, va falloir speeder. Et en l'occurrence, ce qui est assez intéressant avec, euh, avec le Skulltaker en lustrie, c'est que, rappelez-vous, moi-même j'en j'avais pas, pas mal gueulé sur le fait qu'Epidemius, il l'avait balancé dans les désolations euh, du chaos au nord, là où il y a déjà tout le monde, et je trouvais pas ça super intéressant. On aurait bien aimé qu'il aille plutôt sur les, la Lustrie ou les désolations du Sud, où il y a très peu de démons jouables dans les désolations du sud, en fait c'est même, il n'y en a qu'un seul, hein, à savoir euh, Kairos. Donc en vrai, bah, ça a été l'occasion de mettre aussi une, un poids d'attaque démoniaque vers le sud et dans des champs de bataille qu'on a, on va dire, qu'on qu voit un peu moins. Euh, le fait de le mettre sur l'autre continent, puisqu'il y a quand même Scarbrand qui est au centre, on va dire les Terres arides justement, donc au centre-est. Centre-centre, euh, parce qu'on est, est très plutôt qu'à donc centre, euh, donc au niveau, au niveau des terres du sud, l'île est quasiment à peu près à l'opposé en fait en lustrie. Donc c'est bien parce que ça fait du corne contre de l'homme lézard et tout, c'est pas forcément euh, toujours euh, ce à, à quoi on a affaire, euh, notamment du bretonien aussi, très rapidement, puisque euh, vous avez euh, les errants de bord de l'eau avec euh, Alberic, donc qu'on voit là d'ailleurs, donc c'est cool en termes de match-up. J'aurais préféré, j'aime bien la lustrie, mais j'aurais préféré que ce soit plutôt au sud de la lustrie, euh, pour euh, avoir un choix de campagne en mode soit tu attaques par le nord la lustrie, soit soit au contraire tu euh, réaffirmes ta puissance au niveau des désolations du chaos, ça aurait été sympa, euh, techniquement je pense que vous allez me dire tu peux le faire malga si ce sera plus long, Ouais, mais j'aurais bien aimé en bas de la lustrie, mais c'est bien, c'est bien pour la lustrie, c'est bien de la, de la dynamiser un petit peu. C'est juste dommage parce que j'aurais bien aimé aussi qu'Epidemius soit rattaché là-bas. Il, il ne bouge pas, Epidemius. Je trouve vraiment pas intéressant de le foutre là-haut. Mais bon, c'est cool. C cool au, moins, au moins pour Skulltaker ils n'ont pas fait n'importe quoi. Ils ont écouté les retours communautaires, mais pas pour Epidemius, et pas pour Epidemius juste pour, pour Skulltaker mais c'est déjà ça. Alors, cette scène, moi, me régale. C'est aussi pour ça que j'aime bien... Alors, tout à l'heure, Gorbad, c'est vraiment en mode le lore est ultra respecté, cette cinématique respecte le lore et tout. On a un Gorbad montré qui est ultra badass, qui est, qui est, qui est un bourrin, mais en même temps, on vous montre son, son intelligence, son intellect, et il est capable de surpasser des, des généraux euh, humains par son, par son intellect. Et euh, Skulltaker, il n'a pas d'histoire, en fait. Hein. C'est un mec qui récolte des crânes, ouais, bon bah comme tous les seigneurs de corne. Du coup, il n'a pas d'histoire. Et, et je, trouve, je me suis posé la question, comment ils vont le... Comment ils vont lui donner un peu plus de saveur parce que bah c'est juste un sanguinaire avec une cape en fait hein, et qu'un nom c'est tout euh, mais un uh, et c'est d'ailleurs Uzul mais euh, du coup c'est pas très intéressant en fait et même je creuse pas son histoire j'en ai déjà parlé mais c'était un petit peu incohérent euh, puisque Uzul skulltaker bah techniquement c'est un humain qui a été divinisé en sanguinaire ce qui n'est pas possible puisqu'un humain est censé si de, il est démon enfin si il, est, il devient un démon s'il est démonisé bah il est censé être un prince démon pas un sanguinaire donc ça c'est c'est une incohérence assez euh, folle dans, le, dans la licence Warhammer. Mais euh, pour le coup, ce qui, a, ce qui intéressant, est intéressant, c'est que du coup, ils l'ont euh, retravaillé un peu comme une espèce de philosophe. Là, Shakespeare avec, euh, avec Yorick, pauvre Yorick, euh, Hamlet. Je crois que c'est Hamlet Je ne sais plus si c'est Hamlet. Mais euh, dans tous les cas, je trouve ça génial parce que... Je, je, je trouve ça génial parce qu'en fait on se retrouve enfin moi personnellement la campagne Scarbrand qu'on avait faite en stream et je vous en remercie encore, euh, on avait choisi de, de rigoler là-dessus sur le fait que bah c'est vraiment des bourrins, et donc pas toujours d'ailleurs, mais malheureusement trop souvent euh, dépeint comme ça, et donc on va essayer d'apporter un petit côté euh, humoristique avec mes seigneurs qui avaient des noms. Que la commune on avait, on avait trouvé ensemble plein de noms euh, du genre euh, des noms de philosophes qu'on cornisait un petit peu en mode euh, Bernard enlève la vie euh, bon philosophe euh, voilà mais compris <laughs> euh, Sénec euh, Sénèque ta mère, voilà voilà c'était des noms de grands philosophes <laughs> on avait euh, Descartes tu saignes donc j'y suis euh, bah, on en avait on en avait pas mal on en avait pas mal et, et voir du coup dans un trailer officiel un mec de corne, donc un héros de corne, hein, euh, qui récupère un crâne et qui se la joue un peu philosophe, moi ça me, euh, ça, ça me fait rire, ça me fait juste, je trouve ça génial. <laughs> mais c'est plus private joke, tout ça, tout ça, mais je trouve ça tellement génial, ça me fait, ça me fait rire. Et, et en vrai, corne, quand on creuse un peu, parce que le problème de corne, je trouve, dans ses représentations, dans les jeux vidéo, dans l'or etc., c'est toujours un bourrin, parce que c'est, oui, c'est la rage primordiale, etc., oui, c'est des pulsions meurtrières, tout ça, tout ça. Ouais, mais ça, ça peut se représenter de plein de façons possibles. Et malheureusement, en fait, c'est tous des copiers-collés, les seigneurs de Corne. Vraiment tous. Hein. C est, c est... Moi, Arbal, c'est celui que je trouve un peu le plus travaillé avec euh, Valkia, mais encore, c'est pareil. Hein. Arbal, c'est juste qu'il a un lien vraiment spécifique avec Corne, Et Valkia, c'est juste parce que bah, c'est une femme démon en plus, euh, qui a été démonisée. Voilà, c'est le, le, le truc qui y a en, en plus. Quoi. Du coup, c'est un peu triste, je trouve, Korn, de jamais vraiment aller attaquer le sujet sur un autre angle. Et le côté philosophie euh, de Korn, façon, euh, façon globalement, hein, je dirais, euh, euh, le, le côté la, la violence nous habite tous, machin jouer là-dessus, sur ce côté tentateur de la violence, machin. Alors, en plus, il y a le du coup le héros, on va en parler après, mais il y a le, il y a le nouveau seigneur de Korn qui est justement un, un prêtre de Korn. Ah, je pense que c'est une bonne idée, c'est une bonne idée, malheureusement bah ils vont pas non plus trop créer de l'or donc le perso restera hein. Mais, mais j'aime bien la manière dont ils le représente quand même là dessus. Alors évidemment on les avait On les avait je parle pas trop trop des unités puisque surtout pour Korn puisqu'on va les voir après puisqu'il y a le bloc qui est sorti donc je vais en profiter pour faire d'une pierre deux coups Mais euh, le scar, le carna brut euh, Le carna brut Enfant du Chaos n'est pas un démon hein, C'est un enfant du chaos Mais qui a bu beaucoup de soupe hein, il, a, il a bien grandi donc là, on le voit contre Alberic. On voit les unités. On voit les nouvelles unités d'ailleurs. Parce que vous avez le Scarna Brut. Là, vous avez les paysans breton... <laughs> Ah, Vous avez euh, ici les Skull Reapers. Skull Reapers. Les Cornegors. Euh, Très jolis les Cornegors. Vraiment, ils ont fait un bon taf. Hein. J'ai été le premier à avoir gueulé sur le fait qu'ils avaient. C'est euh... fait de la merde hein, sur les Zingors. Et je le dis toujours. Les Pestigors, ils avaient fait le taf. Et, euh, et là, les Kangors, ils sont vraiment très propres. Là, on voit, les, on voit le Seigneur légendaire, ça c'est Arbal, hein, je, 100%. Et ça, j'ai oublié son nom. C'est celui d'Entime, et je connais un peu moins Intime. Euh, mais ça c'est le héros légendaire, parce qu'il y en a deux, il y a, on a and Fingrim, et lui, j'ai oublié le nom. Mais, mais, mais en tout cas, ça c'est Arbal. Hein. Arbal qui, du coup, j'ai l'impression, pour avoir vu son modèle, j'ai l'impression qu'il se bat avec deux haches. Alors que techniquement il avait une seule... Ah bah il est là, s'il est là en fin j'avais pas vu. Il est là euh, le monkey, Donkey Kong, le singe, euh, Gorilla. Attendez, je regarde vite fait. Donc là on voit les deux héros légendaires de corne et les deux seigneurs légendaires de corne du DLC. Alors je crois qu'Arbal sera gratuit d'ailleurs. Ah, Peut-être pas. Excusez-moi mais Arbal est mon personnage préféré de corne. <laughs> On voit pas s'il tient une hache dans l'autre main. Bon, c'est pas grave, on verra plus tard. Et Golgfag Nous allons y tuer avant. Alors Golfag il commence en Norsca c'est euh... C'est étonnant. Alors, on va pas se mentir, je trouve ça très étonnant. Ils l'ont mis avec un... Avec un gobelin C'est pas un gobelin ça, c'est un gobelin de la nuit ça. C'est euh, étonnant parce qu'à Norsca, c'est déjà pas mal stack. Hein. On, a, on a pas mal de monde déjà en Norsca. Donc, euh, c'est un peu étonnant. Alors, bien sûr, des seigneurs et tout, c'est cool. Moi, ce que je trouve dommage, et je pense que j'ai fait un retour, mais ils ne l'écouteront probablement pas, c'est. Euh, je pense qu'il devrait inverser lui et Scrag. Euh, Scrag, il euh, y a eu beaucoup de blagues de même et tout. Scrag, euh, le, le pizza YOLO, tout ça, qu'est-ce qu'il fout dans les principautés frontalières. Mais. Euh, en fait, je pense que Scrack serait beaucoup plus à sa place en Orsca. Et à l'inverse, Golfag, Maniter, serait beaucoup plus intéressant dans les principautés frontalières. Parce que tu le fous dans les principautés frontalières, il pourrait être pote avec les nains. Tu pourrais faire une campagne où tu choisis d'être pote avec les nains. Euh, de, en gros, d'être un pote du, de l'ordre ou un pote du désordre, tu pourrais vraiment faire ce que tu veux. Alors que, après vous allez me dire, en Orsca c'est pareil, mais en fait, je, je trouve ça dommage que Golfag, tu peux le placer où tu veux. Et le mettre en Orsca, je trouve ça un peu... Euh, dommage. Euh, et tu le mets dans les principautés frontalières, ce serait tellement parfait pour lui, quoi. Genre, euh, pas loin de, de l'Atilé pas, pas loin de tout, en fait. Genre, c'est. Alors que Scrag, qui est, qui est un mec qui, qui est vraiment fanatique et tout, tu l'envoies en Orsca, ça marche bien aussi. Genre. C'est. Je trouve ça dommage. Son starter me semble dommage. Après, peut-être qu'il sera pas tout à fait en Orsca, mais ça a l'air d'être en Orsca quand même. J'ai compris, en fait, c'est les gobelins qui le payent, c'est ça, c'est pour ça, ils le payent, ils le recrutent. D'accord, d'accord. Et donc, euh, il va se mettre sur la gueule. On voit les nouvelles unités, on voit les Yetis, on voit euh, le, ça, ça a l'air d'être une nouvelle unité, mais j'arrive pas à voir, à, à capter ce que c'est, parce que ça a l'air d'être des. Oh, en tout cas, là, on a, on a le, le nouveau. Ah, et on a le Trésorier Payeur ici. Ça, c'est le Trésorier Payeur. Là, c'est le héros légendaire, c'est euh, Brag, euh, Brog, euh, je sais plus quoi. Oh là, je, je, je suis désolé, les ogres, je les, je les ai pas de nom, de tête comme ça là. Mais on a les Yetis. Euh, eux, ça a l'air. Est-ce que ce serait une nouvelle unité de mangeurs d'hommes Ce serait une nouvelle unité de mangeurs d'hommes Peut-être, hein. je n'arrive pas à savoir. En tout cas, là, c'est le, le trésorier payeur. Donc ça, c'est le nouveau héros légendaire des ogres. Celui que je... un call réussi, hein un, un call c'était le call que j'avais pour héros légendaire, qui semble être le plus logique puisque son histoire à lui, c'est globalement d'être une espèce de nain. J'aime bien l'appeler le nain blanc, c'est-à-dire que les nains, quand euh, quelque chose, quand la situation dérape. Euh, généralement, quand c'est terrible, il y a le nain blanc qui se pointe de façon Gandalf et il arrive et il sauve la situation, puis il repart aussitôt. Et il y a ce côté un peu cavalier solitaire qui vient aider son peuple. Eh bien, euh, je crois que c'est Brog, lui. Euh c'est le même. Sauf que les ogres euh, trouvent que... Euh, en fait, c'est l'inverse. Les nains considèrent que le nain blanc est une légende et un sauveur. Eux, ils considèrent que c'est une malédiction. Pourquoi Parce que quand ils se pointent, certes, ils sauvent dans un premier temps son peuple. Mais ensuite euh, arrive... Euh un problème en fait généralement. Il peut avoir plein de formes et il peut avoir un problème. Et du coup il considère que c'est une sorte d'oiseau de malheur et qu'il est maudit et il a cette apparence un peu de bourreau. Et euh, il est très sympa. Donc ce sera un bon, un bon ajout pour les, les ogres, le, Ce héros légendaire. Il a aucun lien avec Goldfag hein, d'ailleurs. Mais euh, bon, bah, il sera récupérable pour, pour tous les ogres. Donc ça c'est cool. Et par contre nous avons... Et l'animation si vous aviez jamais tiqué, euh, il y a le nouveau... La nouvelle unité qui est le euh, le maniteur de Katei. Euh, qui s'entraîne donc le ninja ogre et regardez-le il fait décorer mais il se il... <laughs> regardez regardez que lui hein ne regardez que lui regardez que lui vous allez voir il se fait sa petite euh, sa petite euh, sa petite chorégraphie et elle finit mal Ouh. <laughs> Oh. Alors, on a, euh, on a du coup les nouvelles unités de présenter, bien entendu. On en avait déjà parlé, donc je vais aller vite. Euh, il y aura les blogs en plus qui vont, qui vont arriver. Je pense que je ferai des vidéos pour les blogs. Donc, euh, en plus des streams. Je sais pas encore si je ferai pour, pour chaque blog, mais de toute façon, il y aura les streams aussi. Donc, je, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, voilà. Les nouvelles unités là-dessus, on s'était pas trop trompé. Ils, ils les ont abordées. Pas de grosses surprises ici. et est joli hein, le modèle de Golfag. Alors là on voit le squeak géant qu'on avait abordé qui casse la porte. Les orques noires, les orques noirs que vous voyez ici avec H bouclier. Nous avons du coup un chaman orque sauvage qui est ici. Et euh, alors chaman orque sauvage, je sais plus, ça fait longtemps, je sais plus si c'est seigneur ou héros. Je ne sais plus. Bah ça doit être seigneur, je suis con. Ça doit être le seigneur orque sauvage puisque le héros c'est le gobelin de la nuit. Donc euh, ça doit être ça. Et ces orques... Est-ce que c'est des orques de base ah, bah voilà, il est là le héros gobelin de la nuit. Mais euh, ça doit être des orques de base, ça. Je sais pas trop. Est-ce que ce serait des costauds avec boucliers Non. Non, ça doit être des. Alors ça a beaucoup fait rire, ça. Parce que Alberic qui se fait décapiter, ça a fait rire beaucoup de monde en mode. C'est un perso qui... Ça fait très longtemps que sur Reddit, il demande des changements de tête au perso. Et je crois que Tarif a fait, une, a fait un, un, un truc là-dessus. Très rigolo. C'est en mode ça y est, c'est fait, regardez. On a modifié sa tête. Euh, J'aime bien l'animation de Golfhack, par contre, qui se, qui, se, qui se cure les dents. Ça me fait rire. Les vautours, que l'on voit ici. La nouvelle, une des nouvelles unités aussi, c'est les vautours. J'essaie de regarder un petit peu. On voit des maniteurs ici. Ça aurait été tellement plus logique de montrer le trésorier payeur et tout avec Karl Franz. Je sais pas pourquoi ils n'y ont pas pensé, parce que Karl Franz qui, qui paye les ogres pour euh, se mettre sur la gueule contre les orques pendant qu'il tient corne, ça aurait, ça aurait pu être stylé. Mais bon, au final, Karl Franz il va passer un sale quart d'heure. Et, euh, et voilà pour. Alors l'Artois enfin l'Artwork évidemment est magnifique. Et donc euh, voilà pour, euh, voilà, pour euh, voilà pour ce trailer, je le trouve très cool. Le passage ogre me. <laughs> je, je trouve un peu... Un peu faiblard, le passage corne aussi, parce que bon, c'est bourrin. Je trouve c'est vraiment, et, et je sais que vous allez me dire, ouais, mais c'est parce que c'est ton personnage préféré. Je trouve vraiment que le passage Gorbad, c'est celui qui, qui montre le plus de choses. Euh, et je pense que c'est une occasion manquée de pas avoir montré Karl Franz qui euh, recrute Golgfag pour, euh, pour essayer de tenir et tout la ligne. Comme ça, tu t'expliques un peu le lore, t'expliques le mec, alors que là, c'est juste des bourrins en fait. C'est bourrin contre bourrin, bourrin, plus bourrin, plus bourrin. Euh, qui affrontent euh, l'humanité, donc la civilisation, tout ça, tout ça. Parce que là, c'est les sauvages qui affrontent la civilisation, globalement. Hein. Donc, je, je trouve ça un petit peu dommage. Je trouve ça un peu dommage. Euh, D'ailleurs, j'ai je dis souvent ça. Euh, ce qui est assez drôle, c'est que tout le monde connaît les orques pour être des bourrins. Donc, des, des, des êtres à la peau verte qui veulent tout ravager, tout péter, qui parlent mal, euh, qui ne comprennent rien, qui sont très cons. Euh, Khorne c'est la violence ou ça tout ça, mais au final moi j'ai souvent tendance à dire que Korn comme il est dépend d'une seule manière bah c'est des orques à la peau rouge ou à la peau blanche hein, parce que bah, soit c'est démoniaque et c'est à la peau rouge, soit c'est à la peau blanche parce que c'est des humains mais qui se comportent comme des orques et malheureusement à mon grand regret les ogres euh, bah souvent ils sont, traités, ils sont traités comme ça aussi et, et c'est triste, c'est triste. Alors je pense que ce qui fait que les ogres sont traités comme ça, il y a Age of Sigmar qui aide pas, mais Age of Sigmar c'est pas sorti de nulle part, c'est dans End Times, c'est la fin des temps quand euh, Warhammer Fantasy est mort, et bien les ogres ne sont devenus qu'une composante des wags peau verte et donc ils ne se... Ils sont juste comportés comme des peaux vertes. Et donc, euh, bah ça fait un peu peau verte, peau verte, peau verte. Mais là, vous avez peau verte, peau rouge, peau blanche, mais euh, tous les mêmes. C'est dommage parce que encore une fois, lui, il a rien à voir avec ça. Bon, lui, il est montré sous un, un jour un peu plus neuf. Donc, euh, donc, nous verrons, mais le trailer est cool, le trailer est cool, et on va pouvoir enchaîner. Sur le blog Alors je l'ai fait en live et tout en détail On va, on va y aller tranquille euh, Donc le seigneur légendaire, preneur de crâne Le prendeur de crâne Avec la, le Google Translate, incroyable Ça marche très bien pour du corne, hein. c'est pas fait exprès mais ça marche très très bien Le prendeur de crâne Donc euh, il fait peur Il fait peur parce que de toute façon c'est un c'est un DLC où les troupes de corne risquent d'être vraiment tellement solides. Qu enfin, les troupes de corne, c'est déjà du très très solide à l'heure actuelle. Mais les troupes encore plus solides que solides, ça, ça devient de la main hein. Donc, euh... évidemment, au niveau équilibrage et tout, ça peut faire un peu peur. Et surtout qu'en plus, Scarbrand, il est très gros. Il fait très très peur, mais il est très gros. Donc, il est vulnérable au tir, etc. Lui, il est plus petit. Donc, il va être beaucoup plus dur à tomber, à mon avis. Donc, euh... il fait peur. Il fait peur, il fait peur. Donc cap de crâne, blablabla, cap de skill taker augmente constamment sa protection et sa résistance au sort, donc en plus vous voyez il est euh, il est plus résistant qu'un scarbrand. Donc, et plus mobile qu'un scarbrand aussi, donc ça fait un petit peu peur, parce qu'il peut, il peut être monté sur euh, Juggernaut. Euh, la mécanique de campagne, ça ils en avaient parlé, l'idée d'aller de récupérer des crânes et tout pour augmenter sa puissance, euh, gagner des, des traits de combat, etc. Euh, ils ont l'air d'avoir de, de, ils ont, ils ont mis un petit, un petit lore sur la cape. Alors on a essayé de réfléchir, est-ce que c'est justement en affrontant tel type d'ennemi tu gagnes ça, ou c'est juste un truc, une campagne un peu scénarisée, en mode il récupère les crânes d'un ennemi qu'il a déjà affronté, parce que Mire l'indomitable, l'indomitable, là au milieu... Ça ne me dit rien, ça parle d'un chef tong qui se serait dressé sur son chemin, qui l'a désingué et qui lui parle, d'où le fait qu'il a, il a, il a le crâne dans ses mains, parce que souvent il lui parle. Concept de, de, de héroïque fantasy que j'aime beaucoup le fait qu'un crâne enchanté, magique, parle au mec, c'est rigolo. Quand c'est bien fait bien sûr, et que ça sort pas de nulle part, hein Illidan euh, Du coup Silent si Fingrim, le héros légendaire, le Donkey Kong. Qui, euh, qui est le premier singe à arriver en jeu <laughs> Mais euh, donc qui, le Silent Figure, Silent Figure, j'en profite pour le rappeler vite fait. J'avais déjà parlé un peu, mais c'est un c'est un orse qui euh, a été béni par Khorne euh, tellement de fois qu'il a commencé à devenir un enfant du chaos et Sylande Fingrim il, est, il va sortir probablement un jour sur The Old World puisqu'il a connu la campagne d'Assavarkul de, de, le prédécesseur d'arcaron et du coup il est devenu euh, l'une un, des machines à tuer euh, d'Assavarkul alors c'était pas le champion de Khorne de l'époque puisque le champion de Khorne de l'époque il arrive également c'est Arbal l'Invincible le, le grand champion des armées de Khorne euh, à l'époque d'Assavarkul c'est euh, c'est tout simplement Arbal l'Invincible. Mais lui du coup c'était un autre champion de corne qui est en dessous et qui est devenu un, un enfant du chaos, une bête, une bête de guerre. Et les deux ont connu la période de The Old World. Donc, la, la période qui est, qui est tout simplement la période où c'était Magnus le Pieux qui est devenu l'empereur et qui a vaincu à Savarkul. Donc, euh, c'est cool, c'est cool pour. Enfin, euh, c'est un jeu de mots, mais c'est cool pour euh, de voir voilà, des grandes figures, des anciens noms qui sont assez connus du, du, du Lord de Warhammer et qui reviennent et qui sont plutôt badass. Ah, voilà, Scar Bloodbrass, Blutvra, je ne me rappelais plus de son nom, j'arrivais plus. Parce que lui, lui, je le découvre un petit peu, hein, je ne vais pas vous mentir, c'est un perso d'End Times euh, et, et il a une histoire un peu de loser en fait, puisque c'est. On en a pas mal parlé avec Gigi la dernière. Fois il m'en parlait un peu, c'est un mec. Euh... Alors, le concept de base peut être sympa, genre une espèce de mort-vivant de Korn en mode euh, jamais, euh, jamais, même quand il est vaincu, il reviendra, et, et, etc. Mais en fait, ça a été fait de manière un peu débile, c'est-à-dire que tu de le présenter comme un truc ultra badass, un super combattant, mais en fait, il se fait défoncer en permanence. Et, et Korn le ressuscite, les ressuscite à chaque fois, et du coup, il a plus rien d'humain, mais en fait, c'est pas un démon, c'est toujours un humain, et il a un look d'homme bête, en fait, plus que d'humain. Donc, je trouve ça un peu. Euh un peu dommage et euh, par contre ce qui est bien c'est qu'il a un look qui ressemble beaucoup aux anciennes sanguinaires je trouve <laughs> et moi j'aime bien mais euh, sanguinaire de la V6 que j'adore et que j'ai en figurine d'ailleurs j'ai réussi à en choper en occasion et euh, je les trouve trop belle donc euh... donc ouais non il a un look stylé hein il a un look stylé c'est juste ouais je, je... après c'est toujours le problème un petit peu des unités d'end times notamment pour le chaos c'est qu'ils sont toujours plus forts que plus forts que plus, forts que plus mieux et euh, lui il est plus fort que plus fort que plus mieux donc euh, nous verrons nous verrons nous verrons euh, fournir aux troupes proches en bonus au passif, etc., etc. Ok. Donc j'ai l'impression qu'ils veulent en faire une espèce de héros légendaire de. Cor... Bon après de toute façon ça va être un gros bourrin, ça va être un gros combattant. Mais en plus un petit buffer pour d'autres troupes. Enfin, un buffer, ça fait peur. Hein. Mine de rien sur du corne ça fait peur parce que les troupes sont extraordinaires. Là, le nouvel, euh, le nouveau choix de seigneur. Euh, le... le, nouveau choix de seigneur. Donc le parleur de, enfin le parleur de sang, ça c'est les Blood Speaker. Je ne sais pas comment ils vont le traduire en français, mais les Blood speakers. Et les Blood Speaker, euh, c'est justement ce que j'évoquais. Je suis un peu déçu. Enfin, d'un côté, je suis content parce que c'est vraiment les fanatiques de cornes. Donc, ils ne seront pas aussi forts qu'un euh, seigneur euh, de cornes basique, soit démoniaque, soit humain. Mais, ce sera plus un buffer, mais qui va euh, bien buffer votre armée. Donc, un peu le côté euh, stratège, on va dire. Entre guillemets, entre grosses guillemets. Mais, euh, donc ça, c'est intéressant. J'aime bien les choix de seigneurs un peu buffer. Bon, faut voir euh, sur le... En bataille, mais moi j'avoue que j'aime bien faire ce genre de choses. c'est dans, dans une optique un peu plus Total War de base et pas forcément Total War Warhammer où votre seigneur il fait du 1v1000. Euh, un, un seigneur commandant qui booste les troupes et tout, qui te permet de gagner au niveau de la stratégie, j'avoue que j'aime bien. Le, le seul bémol, je trouve, c'est que là il parle de buff. Alors faudra voir bien sûr. En, le jour où ça sortira mais euh, je trouve ça un peu dommage, j'aurais bien aimé le côté bah, justement, le géliste de cornes c'est co un truc que Scarbrand a, hein, c'est pas moi qui suis en, en roue libre, Scarbrand, je l'ai eu il y a pas longtemps dans ma campagne bretonnienne, il fonce dans les lignes ennemies et il enrage les mecs autour qui lâchent leurs armes et qui foncent au corps à corps, dans le côté corne qui déteste la magie, qui déteste euh, qui déteste euh, la, la, les lâches en fait les lâches, hein, la lâcheté donc tout ce qui tire à distance etc, j'aurais tellement kiffé que le seigneur il se pointe euh, autour de lui il est une aura aussi qui, qui enrage les gens mais en plus euh, donc les alliés mais aussi les ennemis et en plus de ça bah, potentiellement tu dis à cette unité euh, à, à, pas non plus à l'autre bout de la map mais une certaine portée en mode toi Viens là et du coup l'unité s'enrage. Ça aurait été trop cool, genre contre des tireurs, etc. Ou des magiciens, ça aurait été très très cool. En mode, non non non, viens là, viens là, mec. <laughs> et, et je trouve que ça peut être pas mal, quoi. Ça peut être pas mal une sorte de filet, mais inversé, enfin repenser la mécanique. Et je, je sais pas si, si ils ont prévu de faire un truc comme ça, mais j'aurais bien vu pour un. Parce que le principe d'un 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 prêtre de cornes, c'est alors c'est toujours un peu particulier parce que c'est aussi un côté magie, hein, magie de cornes, ce qui est un mot qui fâche un petit peu, même si on rappelle que cornes et ses démons sont des êtres magiques, euh, c'est que du coup bah ce sont des ce sont des, des cultistes de cornes, ce sont des gros, de, en gros des chefs cultistes de cornes et en tant que chef de culte chef de culte de cornes, eh bien ils il, euh, il vénèrent le dieu et ils vont essayer de d'insti enfin tout simplement d'infiltrer un petit peu le cœur des ennemis et des alliés pour Faire en sorte que leur rage et leur, euh, leur violence sortent. Euh... Donc, j'aurais bien vu ça pour, euh, pour en debuff sur les ennemis. Mais bon. Et encore une fois, pas sur l'ensemble de l'armée ennemie, mais juste tu choisis hop, une unité, toi viens là. Notamment contre les tireurs, je pense que ça peut être très très rigolo, euh, ça peut être très sympa. Tant sur une unité, hein, pas sur l'ensemble, évidemment, encore une fois. Euh, les bêtes sanglantes. Alors, ça, faut que je le dise. J'en ai parlé un peu en stream, mais les bêtes sanglantes. Euh, c'est tout simplement, et euh, merci à Lara Tael d'ailleurs qui a euh, fait des petites recherches pour moi et qui euh, m'a confirmé euh, ce que je disais. Mais les bêtes sanglantes, c'est tout simplement euh, des enfants de corne. C'est le nom des enfants de corne dédiés, enfin euh, les enfants du chaos dédiés à corne. Donc c'est des enfants du chaos de corne. Et euh, comment dire Bah. Ils existent déjà en fait. <laughs> Ils existent déjà, théoriquement vous les avez déjà. Donc je ne peux pas ne pas dire. Euh, ça aurait pu être un reskin gratuit des enfants de corne qui sont dégueulasses en jeu, qui sont des enfants avec une peinture rouge. Là, au moins, ils ont un skin unique. Bah, en fait, non, on en fait une autre variante. Ce qui va être intéressant, c'est de voir si c'est une évolution. Par exemple, pour les, les guerriers du chaos de base, est-ce que dans votre schéma d'amélioration d'unité, ça sera l'unité au-dessus des enfants du chaos euh, de corne Ça serait intéressant. Mais euh, ouais, je, tr je trouve qu'en fait, bah, on vous fait payer une unité qui existe déjà mais on vous la on vous la, on vous la dédouble ce qui est je pense un peu critiquable mais d'un autre côté je ne peux m'empêcher de dire que c'est très bien aussi de montrer différents aspects des dieux que ce soit en mortel et en démon et les enfants du chaos toujours un truc qui a été très large dans la licence Warhammer mais en même temps sous, complètement sous-exploité à tel point que beaucoup de personnes bah, euh, par exemple je vois avec Tamurkan, hein, quand Tamurkan est sorti les gens étaient en mode mais attends c'est un mortel, mais attends c'est un démon mais je comprends plus etc euh, parce que malheureusement ça a au tout début de la licence Warhammer, c'était un peu euh, faites ce que vous voulez. C'est justement ça, c'est génial. C'est mutation du chaos, elles sont toutes différentes. Donc faites, faites ce que vous voulez. Après, à des trucs ultra figés, ultra euh, et, et du coup, on a du mal. C'est un aspect qui est un peu perdu, je trouve. Euh, donc par exemple, encore une fois, ça aussi, c'est un enfant du chaos. Ça, c'est un enfant du chaos, un très gros enfant du chaos. Le bémol, le bémol que j'ai avec cette unité et, euh, et tant mieux, c'est que. Enfin, tant mieux. Non, en fait, le, le truc, c'est qu'évidemment, d'un point de vue thématique sur un DLC de Korn, je trouve que c'est tout à fait logique de la sortir. Euh, c'est ce que j'avais call, hein, d'ailleurs, ce que j'avais annoncé. Le problème, c'est qu'elle va probablement, comme la Mutalisca Vortex, la Mutalite à Vortex, pardon, et, euh, et je crois que la Cocatrice également, va être bloquée pour Korn. Les Mutalite à Vortex et la Cocatrice ont été bloquées pour Zinch, alors que Mutalite à oui, bien sûr, la thématique Zinch est superbe. Hein. Mais c'est pas Zinch en fait. C'est pas Zinch Mutalita Vortex. C'est un enfant du chaos qui euh, lâche les vents de magie, canalise les vents de magie directement autour et du coup va provoquer des mutations. Ça marche aussi avec Korn, ça marche aussi avec, avec Sanech, ça marche aussi avec Nurgle en fait. Mutalita Vortex et le Scarna Brut et la Cocatrice, c'est des unités. Certes, touchées par le chaos, teintées par le chaos, c'est pas des démons, c'est des troupes du chaos universelle. Et ensuite, bien sûr, vous pouvez la dédier à Korn, vous pouvez la dédier, euh, mais euh, du coup je trouve ça dommage parce que euh, ce carabrut, là, j'aurais bien aimé. Euh, Carnabrut là, j'aurais bien aimé euh, j'aurais bien aimé en voir euh, pour Zinj, pour Slanesh, etc. Et je trouve que c'est très réducteur de faire ça et c'est dommage, dommage de la bloquer pour un dieu. Même si la sortir sur ce DLC est pertinent. Enfin encore une fois, c'est comme si euh, les sorcières suprêmes de, de, des, des Elfes Noirs qui sont sortis sur le patch euh, le patch de Elebron n'étaient pas disponibles pour Morati. En mode, mais quoi, c'est complètement con, genre, enfin, euh, pour moi, c'est un truc comme ça, et c'est un peu dommage, surtout que ça sous-entend à beaucoup de joueurs que, au final, cette unité c'est du corne, et c'est pas le cas, ce n'est pas le cas. Nous avons les cornes ça, ils sont comme je disais, ils sont très beaux, les cornes gore, euh, ils ont déjà un peu évoqué dans les blogs précédents leur, leur rôle, donc ça va être. Euh, du très solide qui va s'améliorer au cours de la partie comme les autres gores dédiés à un dieu mais qui en plus sont quand même assez armurés et tout donc euh, ils risquent d'être très efficaces et évidemment c'est une troupe qui comme pour les autres gores eh bien, arriveront pour les hommes bêtes donc euh, bah, tant mieux pour les joueurs hommes bêtes ça c'est cool, manque plus, euh, manque plus que les slangors et nous avons là les unités qui vont faire un peu polémique. C'est les unités déjà qui sont Age of Sigmar, puisque c'est des unités End Times, et donc c'est des unités qui sont arrivées à toute fin de Warhammer. Rappelez les déclarations n y, n y, hein, pas End Times tout ça. Oui, oui, oui. C'est quand, quand ça les arrange, hein, ce genre de truc. Donc deux unités End Times qui sont des unités toujours jouables dans Age of Sigmar. Et on va pas se mentir, c'est des unités un peu toujours plus mieux, que plus mieux, que plus mieux. Ce qui est un peu... Euh, ce qui risque... C'est déjà le cas dans le lore, mais ça, va, ça risque d'être le, le cas également dans... Ça risque d'être également le cas en fait en jeu, c'est-à-dire que bah, le, le roster de cornes il est déjà bien, hein. vous avez des guerriers du chaos, des guerriers de cornes qui sont très forts, vous avez des élus de cornes qui sont très forts, sachant que dans les élus de cornes et dans les guerriers de cornes vous avez euh, la ligne, vous avez les ratiboiseurs avec euh, une arme dans chaque main et vous avez les anticaves avec la halbarde. Je pense qu'il y a pas mal d'autres dieux qui aimeraient avoir ça. Et du coup, que vont-ils rajouter à corne Eh bien, euh, des guerriers du chaos encore plus forts et euh, des euh, déchus de Cornes encore plus forts hein, globalement. Euh, donc, euh, je suis, je suis un petit peu perplexe. Faudra voir ce que ça va donner. Euh, je suis un peu perplexe parce que techniquement, eux, c'est des mecs possédés par des démons de corne et tout. Donc, c'est des sortes de déchus possédés. Euh, donc très 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 fort Et euh, eux c'est euh, globalement des... Et d'ailleurs c'est dit, hein, gne, 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 gne. Ils, sont, euh, ils sont aussi puissants qu'un champion du chaos Donc techniquement comme ça, ça a l'air d'être des... Euh... Par rapport à leur lore Et moi j'en avais parlé, mon call c'était que ça allait être euh, des... Euh... Des... Euh... Merde, des aspirants champions de corne Et eh bien pas du tout, on les a vus en régiment là euh, tout à l'heure Donc... Euh... J'ai peur, j'ai un peu peur que ce soit complètement craqué, mais, mais nous verrons. Nous verrons parce que pour le moment, je suis un peu en eau troupe, donc on sait pas encore en termes de stats et tout. Mais ils sont en train de dire ouais, ouais, ce sera pas cher, machin. Enfin, j'arrive pas à comprendre ce qu'ils veulent en faire. Donc, nous verrons. Mise à jour de l'héritage de corne, Donc, euh... hum... je regarde un petit peu ce qui est dit là. Scarbrand, Culteker, Arbal et Valkyr auront accès à Bloodspeaker, mais le prince des mondes n'aura accès à aucun seigneur mortel. Ah, c'est triste ça. Euh, on aura accès au Skull Reaper, Rathmanger, Escar, Scar euh, Ça c'est bien qu'ils le disent. Blood Speaker. n'a pas encore accès à ces unités, mais c'est quelque chose que nous souhaitons aborder dans une future mise à jour. Ah ça c'est intéressant, je ne l'avais pas vu ça, ce petit truc. Le Prince Démon peut, une fois entièrement aligné à Corne, aura accès au Skull Reaper, Rathmanger, Escar, Scar Rass. Et il n'aura pas accès à Scar Rass. Il n'aura pas accès à ce de bras. Euh... C'est oh, assez... original ça. Parce que même si je l'aligne pas à corne, je peux avoir les... Les... les scripts bleus. Donc je sais pas si c'est vrai ou pas ce qu'ils disent. Euh, nous verrons, nous verrons là-dessus. Trône, donc la nouvelle mécanique, on l'avait vu en blog, donc je vais pas trop trop revenir dessus. Super choix de... C'est vraiment dommage euh, avant ça de ne pas avoir réutilisé cet asset qui est dingue de la citadelle de corne, la citadelle des reins. Donc, euh, vraiment, vraiment très, très cool. Euh, ça a l'air vraiment pas mal le, re le rework des crânes de ce que j'ai vu, mais je vais, je vais avancer parce que j'ai pas envie que la vidéo dure 17 heures. Euh... Ok, rework l'économie pour que euh, on ait moins de problèmes d'entretien, qu'on euh, qu soit moins dépendant des hosts infernaux mais qu'à la place et eh bien on ait plus de thunes enfin euh, qu'on ait une baisse de recrutement etc mais que la, la, pour le coup toujours une campagne basée sur les pillages puisque vous êtes du corne mais et les mises à sac mais par contre euh, moins d'entretien donc avoir une économie plus plus durable on va dire. Euh, sans avoir une économie complètement pétée, un hein, rework des os de, de sang et tout. Donc ça c'est ça c'est cool. Un truc que je trouve génial. Alors l'arbre technologie bon euh, truc nain du chaos a plus on le reprend, mais euh, un truc qui est très 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 bien et peut-être qu'ils vont l'étendre à d'autres races. Mais pour le moment, Korn, vu qu'il est censé tout ruiner et ensuite récupérer passivement les ruines, c'est vrai que quand vous jouez Korn, bah euh, l'IA a tendance à reprendre les ruines à côté de vous. Donc là, il y a une nouvelle fonctionnalité qui fait que ça bloque les villes. Ça bloque les villes, là on voit 3 tours, j'imagine que c'est pendant 3 tours. Euh, mais en tout cas, ça c'est très très cool parce que déjà, bon, une nouvelle icône, une nouvelle mécanique, et à l'image des hommes bêtes, bah, on, on empêche l'IA de récupérer la ville qu'on a détruite et potentiellement, du coup, on peut la récupérer plus facilement de notre côté. Euh, donc c'est cool, je, je trouve que c'est vraiment très bien à ce niveau-là. Donc, euh, est-ce que j'ai oublié quelque chose On n'a pas encore. Donc, ça, c'est le rework, bien sûr, de tout ce qui arrive avec Korn. Euh, on a les, les manifestations pied aussi qui ont, été, euh, qui ont été modifiées. Il y a quand même des trucs assez forts, genre on prend le contrôle instant d'une ruine occupée. Sachant que le niveau 4, c'est récompense. La colonie ciblée sera rasée. C'était déjà le cas. On m'a bien informé que c'était déjà le cas. Sauf qu'il fallait 3 tours de canalisation. Maintenant, c'est. Bouf euh... Alors, je... ils mettent pas que ça demande un. Donc euh, ça peut être vraiment violent, genre tu désingues une colonie, genre une capitale ennemie, et ensuite tu la récupères instant avec le regard de Korn, ça, ça fait un peu peur, ça fait un peu peur. Et, et j'aime beaucoup par contre ce truc là, ce truc là j'aime bien, c'est le côté euh, gain d'XP pour les héros et tout, ça ça marche très bien pour du Korn, au mode le mec euh, s'améliore, devient super fort et une machine à tuer, ça marche très très bien je trouve la manifestation Zimpi. Je pense que Slanesh et Korn ils ont vraiment besoin d'aide sur les manifestations impies qui sont pas très bien faites. Euh, Zinch aussi d'ailleurs je trouve Mais bon à la limite Zinch c'est encore ok Parce qu'il a pas mal de choses à côté euh, Mais c'est bien de l'avoir repensé pour Corn Donc économie haute sanguin tout ça La saignée aussi a été remodifiée Mais j'ai pas l'impression que ce soit si dingue que ça Plus de reconstitution et tout Par contre oui c'est ça dont je, je dois parler euh, La reforge démoniaque Donc euh, c'est à dire que les unités démoniaques d'un point de vue lore, ça marchait pas trop, et d'un point de vue gameplay, bah, la plupart des gens préféraient prendre pour la, la, la réseau auto, etc. C'était toujours, de toute façon, bah, prendre, des, prendre des mortels, en fait. Donc, on incitait plus à prendre des mortels que des démons pour la fiabilité, la réseau automatique, etc., euh, si ton unité elle tombe en morale bah, elle est complètement évaporée euh... et c'est dommage parce que les démons sont censés être de la saloperie c'est à dire qu'ils reviennent en permanence etc ils sont immortels donc ils reviennent en permanence et tout et ce qui est assez intéressant c'est que maintenant il y a un système un peu similaire aux morts vivants c'est à dire que si des démons meurent dans une bataille ils ont un pourcentage de chance de revenir et ce pourcentage de chance peut être buffé peut être amélioré. Pour, pour, notamment avec des aspects donc de technologie euh, des compétences propres au seigneur euh, et le niveau de corruption de la province où la bataille eut lieu donc si par exemple es dans une province où il y a 100% de corruption de cornes bah, t'as plus de chances que tes sanguinaires de cornes reviennent sachant que ça c'est toutes les unités démoniaques donc ce n'est pas que cornes ça, con ça concerne Slanesh, Zinch, Nurgle et on va même se poser la question, est-ce que ça concernera, j'ai posé la question, j'ai toujours pas reçu de réponse, les nains du chaos, avec les Kadaï, les, les démons de feu. Donc toutes les unités démoniaques. Et je vous rappelle que vous avez des seigneurs qui ont ça. Par exemple, Valkia, euh, vous avez Festus, euh, euh, Sigvald, etc., qui peuvent récupérer un attribut démoniaque. Et donc, eh eux-mêmes, potentiellement revenir, puisque ce qui est bien indiqué, c'est que c'est le trait démoniaque. Donc euh, par exemple même les, les elfes noirs sont concernés avec euh, des démonettes euh, par Moratika ou, euh, ou euh, Malus Darkblade ont accès aux démonettes de Slanesh et eh bien éventuellement ils pourront euh, profiter de, cette, de, ce, de ce rework des démons. Donc c'est euh, assez intéressant, c'est assez intéressant, il faudra voir évidemment... À combien est le taux, à combien le, le pourcentage de, de récupération, etc. Parce qu'il ne faudrait pas non plus qu'ils deviennent plus mort vivants que les morts vivants Mais c'est, je trouve que c'est une bonne bonne optique. J'aime ai, bien, j'aime beaucoup. Encore une fois, il faudra se poser la question pour une du chaos, ils ont un trait un peu différent. Euh, donc, il faudra voir ce que c'est. Mais euh, non, c est, c est, ça a l'air pas mal. Hein. Il y a l'air d'avoir un bon, un bon taf de fait sur sur Korn, qui était celui. Bah forcément, c'est la race la plus récente. Donc, on se disait. Euh, Puisque c'est une race du 3 par rapport aux orques... Et... Bon, j'ai dit aux orques. Mais les orques un peu... Dé... Ils trichent, ils étaient déjà un peu là dans le 2 sans être vraiment là. Euh, donc, ça va être intéressant de revoir un petit peu tout ça. Euh, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous partagez euh, mon, mon entrain pour, pour le trailer et pour d'autres. N'hésitez pas à me donner vos impressions. Est-ce que le trailer vous l'avez trouvé un peu triste J'ai vu que sur mon Discord certains étaient en mode ouais, un peu déçu et tout. Euh, N'hésitez pas aussi sur Korn. Je suis allé très vite sur Korn parce que, bon, encore une fois, il euh, y a des choses, j'ai des questions, des interrogations, mais. On les verra en stream. Pour le moment, il y a certains trucs qui restent flous, notamment ces deux-là là. Ces deux unités, est-ce qu'elles seront vraiment complètement pétées Complètement au-dessus. Quelle sera leur... Euh, dans la hiérarchie, comment ils seront Est-ce qu'ils seront par 20 Est-ce qu'ils seront euh, comme un régiment normal euh, Je me pose beaucoup de questions là-dessus. Donc euh, on testera ça plus tard. On se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à aller regarder les autres vidéos de. Parce qu'il y a des, des points aussi qu'on avait abordés dans les blogs précédents. Donc je n'ai pas envie de faire de redit total. Donc euh, merci à tous. à bientôt. Bisous. La plus dans lexus. Salut, c'est Korn. Si jamais tu veux pas être tapé par mes troupes et par mes unités plus 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 que fortes, abonne-toi à la chaîne YouTube. Like, partage, commente. Oui, je suis arrivé sous une forme de cheval. Ne posez pas de questions, c'est un truc de démon.